Difficile de ne pas être copain avec Didier Ferrari, tant cet homme fait preuve d'empathie. Difficile de ne pas être touché par son histoire, tant son parcours est jonché de périodes compliquées. Derrière les plus grands sourires se cachent souvent les plus grands soupirs. L'adage se vérifie plus que jamais, avec ou sans filtre. Bienvenue dans votre vie. Ma petite... Ah, plutôt... Didier Ferrari, oui. Alors, ça, c'est... Alors, comme je te disais, j'ai pas beaucoup de photos de moi à la maison, mais c'est ma préférée parce que, d'abord, je me reconnais pas, mais je le trouve mignon. Alors, je me trouve mignon, mais je trouve que ses petits pieds croisés, puis ma minane... Minanouille. Ah, c'est, ça me fait bizarre, des grandes photos comme ça. J'en ai pas de petites, alors forcément, ça claque quand même, hein. Alors, si on commence par celle-là, c'est pas un hasard. Pourquoi vous êtes dans les bras de... Alors, parce de Marie Bartoli, hein, votre grand-mère. Marie Bartoli, ouais. Et parce que c'est elle qui m'a élevé, tout simplement. Pourquoi c'est elle qui vous élève? Parce que maman... alors, il y a toute une histoire là derrière, évidemment, sans rentrer dans les détails. Hein. Maman a connu quelqu'un, je suis pas arrivé tout seul. Et puis, apparemment, ça a pas bien marché. Et puis, quelques temps plus tard, elle a rencontré un monsieur de qui elle est tombée amoureuse. Ils se sont mariés. Le monsieur m'a reconnu, mais il était militaire et il devait partir vivre à Tahiti. Et ma grand-mère, quand elle a entendu Tahiti, quoi ? Le petit où ? Tahiti, c'est où ? Va et tu le reprendras quand tu reviens. Voilà. Et donc maman est partie vivre avec son mari, hein, elle a suivi son mari. Et après, ils sont revenus, et puis je vois la photo là-bas, on y arrivera tout à l'heure. Ils sont venus me chercher, après on est allé vivre à Toulon. Et donc, c'est Minanouille qui a pris en charge le petit, puis après, elle a plus voulu me lâcher, quoi. Parlez-moi un petit peu de... De ma grand-mère. Ouais. Phénomène. Alors, toutes les grand-mères sont des phénomènes pour les petits-enfants, hein. Mais tu vois, par exemple, cette dame, elle a eu une greffe de la colonne vertébrale en 1927, elle avait 16 ans. Oh. Le premier corset qu'ils lui ont mis, il pesait 14 kilos. Elle a passé 3 mois à la Timone sur une table, où il donnait un tour de roue, elle était accrochée par les mains et les pieds pour l'étirer, tu sais. Voilà. Après, elle a eu 7 gosses, elle en a perdu 2 en bas âge. Elle a bien œuvré pendant la guerre à Sartène, tu vois, dans l'implication. Et juste anecdote, suite à son opération, moi le matin quand je me levais avec ma grand-mère, elle arrivait, elle avait une longue tunique blanche, et elle avait une espèce de gaine de corset jusqu'à la fin de ses jours, hein, parce qu'elle était comme ça le matin. Elle mettait ça, évidemment, je ne l'ai jamais vu nu. Elle avait sa tunique longue, et à la fin, tous les matins, je finissais avec le genou dans le dos pour finir de ficeler le corset. L'attitude, c'était ça. Et quand elle arrivait là, elle avait une belle poitrine, le geste, ça a toujours été le même. Elle faisait ça pour la ranger, et la journée, c'était parti. Et il savait rire, parce qu'elle riait tout le temps. Hein. Elle riait. On va avoir l'occasion de revenir là-dessus, ouais. Justement. Mais vous l'avez dit, Didier, là, on est justement, on est où là? Alors là, c'est une photo qui a été prise à Marseille. Votre maman revient. Effectivement. Votre maman va se séparer de ce fameux monsieur. Oui. Et elle va récupérer son nom de famille. Oui. Et vous, là, ça va être un des plus beaux moments de votre vie. Franchement, alors il y en a eu des beaux aussi, hein. Mais l'enfant que j'étais a vécu le plus beau jour de sa vie parce que, je t'explique, le type, il s'appelait Bernard Labosse. Et moi, je m'appelle Didier Labosse, Apropriane. Donc le prénom Pinsout, et puis alors Labosse, quoi. Et donc, nanana. Et moi, je me rappelle, je râlais, je disais à ma grand-mère, j'aurais préféré être une fille. Au moins, je me serais marié avec un Corse. Et j'aurais porté un nom Corse. Dadadadada. Et un jour, le divorce étant consommé, on me dit que je vais m'appeler Didier Ferrari. Je vais reprendre le nom de jeune fille de ma mère, ce qui est logique, puisque le monsieur n'était pas mon père biologique. Donc, il avait eu la courtoisie de me reconnaître. Mais étant divorcé, il n'y avait plus lieu que je porte son patronyme. Donc, alléluia. Quoi? Mais je crois que j'ai dû le dire 2000 fois dans la journée. Didier Ferrari. Et attention, après, en brouille, il y a celui qui m'appelait avec l'ancien nom. Hein. Allez, on va passer à l'école, parce que c'est intéressant, l'école. Vous êtes intéressant à l'école. Êtes dans les 3 premiers. Ouais. Hein, vous êtes un bon élève, ouais. Mais vous êtes un élève différent, Didier. Oui, j'ai une arborescence de pensée, voilà. Ça, c'est une arborescence de pensée. C'est-à-dire que je suis constamment, hein, c'est pas une maladie, hein, mais ça n'arrête jamais. Et avec les années, maintenant, à presque 60 ans, je commence à maîtriser le truc. Mais à l'époque, vous vous sentez différent. Ouais, ça allait pas. Ça allait pas du tout. Ah ouais, bon, ouais. Alors vraiment. Que les gens ne s'inquiètent pas pour vous. Hein. Ils disent Didier, il est premier, il n'y a pas à s'inquiéter pour lui. Mais vous, par contre, vous vous sentez différent. Ouais, ça va pas. Alors, évidemment, tu développes un manque de confiance en toi parce que tu penses que c'est les autres qui ont raison. La majorité, en général, a toujours raison. Je ne pense pas plus ça aujourd'hui. Mais effectivement, à ce moment-là, et pendant toute mon enfance, j'avais l'impression de ne pas capter quelque chose, de ne pas
Je suis comme les autres, évidemment, j'ai rien de particulier. Mais une façon de, peut-être une hypersensibilité et cette arborescence de pensée qui me faisait réfléchir, je posais trop de questions. Tout m'intriguait. Et j'ai été très déçu d'apprendre que Jésus n'était pas corse, par exemple. Le jour où j'ai comment ? Ah, c'est une catastrophe. Je suis allé voir le curé, j'ai dit, mais comment il n'est pas corse, il est d'où ? Ben, de Nazareth, c'est où ? Là-bas. Mais alors, pourquoi c'est notre religion ? Écoute-moi, tu es trop petit, tu poseras, on te répondra plus tard. Et ça a été constamment. Eh bien, viens, comme Jésus, ça. Jésus, on va le retrouver là. Ah. Parce que vous l'avez rencontré, oh. Jésus. Alors, oh là là. Ouais. Oh, alors écoute, alors, la petite anecdote de mes Minane. Minanou, tu sais comme elle est belle. Depuis 1965, elle est en noir tout le temps, d'accord ? Et quand t'approches la grande communion, elle me dit, Ovido, pour ta communion, je mettrai de la couleur. Magnifique. la couleur. Gris. je mettrai de la couleur. Voilà. Donc, tu vois, là, l'idée que j'ai de ma grand-mère dans ma tête, elle est plus vieille que ça, tu vois ce que je veux dire. Il faut que je voie la photo pour me rendre compte que là, elle était assez... Elle était liche. Hein. Il est donc sur la photo qui est juste à côté. Là. Alors là, c'est ma maman. Pendant la communion. Hein. Pendant la communion. Exactement. Alors, t'explique. Là, il y avait une musique d'Elvis Presley. Le curé, bien sûr, va dans toutes les communions pour boire un petit coup, enfin, marquer le coup. Il arrive, très sympa d'ailleurs, il a une bonne tête. Hein, et il se tape pas le rock avec ma mère. Avec votre maman, ça aura été des rencontres un petit peu, vous serez un petit peu raté pendant votre jeunesse. C'est ça. Ben, en fait, j'ai pas eu le sentiment. Alors, j'avais toujours le manque quand elle partait, évidemment. Mmh. Hein, je me rappelle, j'étais en larmes. J'écrivais tous les jours une lettre à ma mère, par exemple. Elle était restée à Toulon. Mmh. Puisqu'après, elle s'est remariée, puis elle travaillait là-bas, elle a rencontré un autre monsieur, son second mari. Et ça vous faisait quelque chose, peut-être, non ? Ou pas ? Écoute, je crois que j'ai été assez aimé par ma grand-mère, par ma tante, et par ma mère aussi, pour... J'ai pas la base de comparaison, donc je sais pas, en fait. Ma maman me manquait, comme toutes les mamans manquent à chaque enfant. Hein. Puis je la trouvais belle quand elle arrivait, elle avait les ongles bien faits, tu sais, Le parfum, tout ça, tu vois, ça enivre un peu, tu vois. Et te reste, en même temps, c'est un bon souvenir à chaque instant, tu vois, voilà. D'accord, Didier. Mais un qui vous manquait peut-être, certainement, c'est un père. Alors, et c'est la raison pour laquelle j'ai mis cette photo-là. Ouais, alors ça, c'est mon tonton José. Tonton, c'était donc le frère aîné de maman, je crois peut-être l'aîné de la famille. Vous étiez toujours avec lui. C'était un peu votre père de substitution. Alors oui. En tout cas, émotionnellement parlant. C'est-à-dire qu'il vivait à Marseille, lui. Chaque fois qu'il venait, moi, j'étais en admiration. Mais total. Et encore aujourd'hui, je le trouve beau. Et à l'époque, je le trouve encore plus beau. Et d'ailleurs, je crois, malheureusement, j'ai fumé. Parce que quand je le voyais fumer, je le trouvais tellement beau. Il était costaud, puis homme de caractère, tu vois, très fort caractère. Hein. Bon, dans la famille, c'est un peu ça. Donc, il y a eu ce drame. Quel drame ? Il a été assassiné. Et c'est vous qui le... Et c'est moi qui le trouve le matin partant de l'école, j'avais 16 ans et demi, Ouais, là, c'était... Et ça, c'est le drame. Alors, j'ai peut-être le drame de trop. En tout cas, c'est un drame qui vous marque suffisamment parce qu'à cet âge-là, vous décidez de vous émanciper. Quitter la Corse. C'est pas moi qui décide, en fait. Hein. C'est Minane qui, un matin, vient me voir. Je raconte ça dans le spectacle et... Parce que le drame, quand même. Hein. Son fils est né. Hein. Tu vois l'illogisme. Et elle est venue me voir un matin en me disant, Ovido, je peux plus. Alors, il faut partir chez maman, moi j'arrive plus. Elle était fatiguée, puis elle sentait qu'elle allait. Et puis ça a été le début de sa fin à elle, hein, de vie, parce que petit à petit. Et votre début à vous ? Allez, on va voir ce que et ça va. Et mon début à moi sur le continent. Tiens, une adulte, c'est trop belle. Asseyez-vous, Didier. Et donc, on vous retrouve à Nice. Ah. Ouais. Et plus précisément... Oh, putain. Dans un bar. Ouais. Je suis associé avec le mari de ma mère. En fait, la veille de rentrer... Je viens à Nice pour rentrer à l'école de coiffure. Ma grand-mère, avant de partir, comme on l'évoquait, me dit, qu'est-ce que tu veux faire comme métier ? Choisis. Coiffeur. D'accord. Où ? Elle me dit, Nice, Paris ou Marseille ? Choisis Nice, c'est plus près. Donc, elle me donne le choix, mais choisis. D'accord. Donc, je débarque à Nice... pour faire l'école de coiffure. Et la veille de rentrer à l'école de coiffure, le monsieur, le mari de ma mère, qui n'était pas une bonne personne, réussit à me faire une proposition pour me dire, parce que l'école de coiffure était privée et coûtait de l'argent, il était un peu... Il me fait la proposition d'être associé dans le bar.
Et moi, évidemment, 17 ans, le bar, ok. Et me voilà là. Mon Dieu, ça me fait bizarre, là. Hein. Surtout, c'est pas n'importe quel bar. Hein. C'est pas un bar à midinette, non, mais tu le crois pas, ce qui se passe. Ouais. On prend le bar, il n'y a personne qui vient. Le bar était fermé depuis 3 ans. Un jour, l'anecdote, c'est que je sors de boîte de nuit, je suis tout seul, je prends un taxi, je dis au 20 rue Bonaparte, s'il vous plaît. Le mec, il me dit, ah, le Marly. Ah, vous connaissez? Ah, il me dit, c'est connu comme le Loup Blanc. Tout fier, moi, derrière. Ah ouais, super. Et il me dit, avec les morts qu'il y a eu là-bas dedans. Quoi? Qu'est mort? En fait, avant, donc 4 ans auparavant ou 5 ans auparavant, il y avait eu un drame dans ce bar, un règlement de compte. Le patron avait été tué et 2 touristes avaient été décédés. C'est-à-dire qu'ils avaient, tu vois, le règlement de compte. Ah, je comprenais mieux pourquoi les pinsoutes, qui n'étaient pas si cons finalement, ils voulaient manger derrière. Ils voulaient se cacher. Et donc, au début, on n'avait personne. J'ai eu à discuter avec la propriétaire des lieux et on lui a dit qu'on galérait parce qu'il y avait personne qui venait, quoi. Et puis finalement, petit à petit, on a eu la clientèle d'avant. Donc, j'ai eu comme clientèle la pègre niçoise de l'époque. Il y a 40 ans, je peux en parler aujourd'hui. J'ai servi tous les jours la pègre niçoise. Et on vous retrouve quand même à un moment. Oh putain. Alors, vite fait, oui, effectivement, ma grand-mère débarque à Nice au bar pour voir comment ça se passe. On discute. Elle me dit, tu me fais honte, hein, tu devais faire le coiffeur, tu es dans un bar avec des voyous. L'année d'après, je rentre à l'école de coiffure. Mais je travaille le soir au bar, mais je rentre à l'école de coiffure. Je fais l'école, j'ai le CAP. Et là, c'est un concours que j'ai fait à Nice, que j'ai gagné. Le seul concours que j'ai gagné de coiffure. Et il y a même eu une Coupe de France. Oui, j'ai été troisième. Troisième quand même, doué. Troisième à la Coupe de France, et j'avais ce modèle-là à gauche. Et parce que vous êtes bon, vous êtes dans un salon, vous gagnez bien votre vie. Mmh. La vie est belle, là. Hein. Le meilleur moment de ma vie de ce point de vue-là, oui. Et puis arrive un moment charnière, ben c'est celui-ci. Il y a l'armée qui vient peut-être un peu... Qui casse. Et donc, me voilà parti à Bonifacio pour faire... Vous faites l'armée, et après l'armée, justement, vous revenez, la coiffure, ça vous intéresse moins, finalement. Je reviens au salon, ouais. un monsieur me débauche du salon où j'étais, à grand renfort de salaire. J'accepte, mais j'ai plus la même... Ça va plus. Et puis, surtout, il y a aussi, je crois savoir, le compagnon de votre maman qui s'en va. Et donc, du coup, il faut que vous... Ça, c'était... Vous reveniez ici. Mais effectivement, je reviens, je m'occupe du bar. Et de façon compliquée, parce que... Donc, j'ai quitté mon boulot. Je me dis, ça va être ponctuel. Et puis, finalement, ça a un peu duré. Sauf qu'après, il revient, lui. Il revient. Il revient. Il met des mois avant de récupérer ma mère, qui était bien remontée contre lui, parce que... Et il va repartir. Et vous allez vous retrouver... Et là... À la rue. Ouais, une situation très difficile. Très difficile, et d'autant plus difficile que Didier. Il y a ça qui se passe. Ah. Il y a votre Mina qui... Alors ça, c'est un super moment. C'est l'anniversaire, à droite. Hein. Et là, on était joyeux, toute la famille était là. Maman, les 2 filles, Maïté et Maïk, mes 2 cousines, qui sont comme mes sœurs, hein, c'est mes sœurs. Ma tante et ma Mina Nouch. Et là, c'est quelque temps avant qu'elle meure. Donc ça m'émeut un peu, mais... Regarde quand même que... Elle fait que rire, c'est-à-dire que... J'ai passé ma vie auprès de Minan, elle faisait pas que rire, parce que y avait du caractère, hein. Mais elle était bataille, quoi. Là, vous vous retrouvez vraiment seule, là, hein, quand elle meurt. C'était chaud, et en plus, on l'a culpabilisé parce qu'on voulait pas la mettre en... Il n'y avait pas d'EHPAD à l'époque. Hein. C'était compliqué, là. C'est compliqué. Heureusement, il y a une famille qui vous vient en aide. J'ai été recueilli, je peux dire le mot, accepté, par une famille à Valoris, qui s'appelle la famille Durando, des pères et des fils, qui m'ont accueilli. Et je suis resté 2 fois 1 an et demi chez eux. Je suis resté 1 an et demi, je suis parti. 4-5 ans plus tard, ça a été de nouveau la Bérésina. Et à chaque fois, ils vous ont ouvert la maison, ils vous ont ouvert leur cœur. Mais pendant que vous êtes chez eux, pendant qu'ils vous hébergent, ils vous offrent un toit, hein, et encore une fois un cœur, vous, par contre, je l'ai matérialisé avec cette photo, vous commencez à vivre un peu avec l'extrême, non? Ouais. Vous faites la fête, mais... Non, plus que la fête, c'était n'importe quoi. Sauf qu'à force d'aller dans l'extrême, de prendre je ne sais pas quelle forme de substance que vous prenez, il y a un jour, alors j'ai matérialisé avec cette photo, parce que je n'en ai pas beaucoup de vous, un jour ça pète, Didier. Qu'est-ce qui se passe là donc, Je m'effondre, je fais une saison, j'étais serveur à Jean Lépin au Vésuvio, et dans ce restaurant, il y a un second de cuisine qui s'appelle Olivier, je suis le parrain de son fils aujourd'hui, qui me donne une carte
d'un psychothérapeute. Je ne connaissais pas le terme. Psychothérapeute, j'y sais quoi. Il me dit, vas-y, ça va te faire du bien. Le mec, un taiseux, hein, c'est genre rugbyman. Et je suis allé voir cette dame qui était sa tante, qui faisait de l'hypnose ericksonienne. Je lui ai parlé de mon problème. Elle m'a dit, vous faites une dépression. Et attends, j'ai vraie dépression. On m'a fait une piqûre tous les jours pendant 3 mois de neuroleptique. J'arrivais pas à fonctionner. En fait, je me réveillais le matin et j'avais une chape noire sur la tête qui te donne des idées noires. Tu veux plus avancer, tu veux plus te lever du lit. Tout te semble... Alors que moi, j'étais hyper dynamique, hyper vivant. J'arrivais plus à rien faire. Rien. Ça va durer, ça? Un an et demi. Un an et demi. Ouais. Un an et demi. Ouais, je suis rentré en Corse. C'était salvateur chez ma tante, parce que, et puis nos racines, chez nous. Et puis après, vous êtes revenu sur le continent. Comment? Mais bien sûr. Et on va aller du côté de... Alors, j'ai choisi, parce que j'ai des cassettes photo. Ah, voilà, Vésuve. Voilà, Vésuve. On est du côté de Cannes. Jean Lépin, le cristal. Jean Lépin, le Vésuve où je suis, juste en face. Je suis en train de servir, là. Et un jour, quand vous êtes serveur, justement, vous repartez un petit peu comme ça aussi, un petit peu tant bien que mal. Et il y a une copine qui vient vous voir. La femme d'un des serveurs du Vésuve. Très belle femme, Mélanie, va faire une prise de vue à Cannes et elle veut rentrer dans un cours de comédie, mais comédie caméra, pas théâtre, elle faisait déjà du théâtre. Elle n'a pas de chauffeur, je l'accompagne. Le mec, évidemment, en voyant la nana, je lui avais dit, il va dire oui de suite. Dès qu'elle est arrivée, oui. Et belle femme. Et le mec, il dit, mais j'aurais bien aimé quand même te faire faire une impro, j'ai personne sous la main, et il me demande si je ne veux pas faire l'impro. À ce moment-là, je peux t'assurer, je ne savais pas du tout ce que c'était impro. Impro? Oui, mais c'est quoi? Il me dit, ben, je vous donne un thème et vous jouez. Ah oui, ouais, je sais faire, moi. Et comme ça a dû être la meilleure impro de ma vie parce qu'il n'y avait pas d'attente et il n'y avait pas d'auto-jugement. Donc j'ai joué, vraiment joué. Le mec m'a proposé de venir prendre des cours. Je n'avais aucune raison, donc j'ai dit non, merci. Et la semaine d'après, il me rappelle et il me dit... Alors, je le trouvais lourd, hein. Il me dit, mais bon, je vous offre les cours. Et là, je me suis dit, il est gentil, le type, quand même. Donc, par politesse, je dirais, d'une certaine façon, je me suis dit, je vais y aller. Et puis, un mois plus tard, je lui dirais, écoutez, je suis obligé de partir. Parce que... Donc, je suis allé. Et un mois plus tard, je suis parti. La graine était plantée, et maintenant, il faut qu'elle pousse, mais c'est pas ici qu'on va voir ce qu'elle va donner, cette graine. C'est dans une autre pièce. D'accord. Allez. Je peux bouger ou pas? Parce que oui. Après, j'ai peur. À Paris, Didier. Vous arrivez à Paris quand vous avez à peu près 37 ans, hein? Ouais, 37 30, ans. 36, 37 ans, ouais. Pour être acteur. Pour hein, voir. Pour voir. En tout cas, vous lâchez tout. Oui, je suis parti 2 500 € en poche, je suis monté. J'ai eu peur quand je suis arrivé, je me suis dit, qu'est-ce que t'as fait? J'avais pas réalisé, ouais. Et oui, puis surtout que pour être acteur, il faut quand même prendre des cours. Apparemment, ouais. Et vous décidez de prendre là. Oh! Et ça, c'est les cours Virio, ça. Cours Virio, ouais. Qu'est-ce qui se passe là quand vous montez sur scène? Ah non, mais là, t'es terrorisé, peur. Je me suis dit, plus jamais de ma vie, je vais là-dedans. Ah, donc il y a à chaque fois et le plaisir et le. Et encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Oh, ouais, dès le début, c'est comme ça, quoi. Ah oui, je dois être un peu trop émotif. Tu flippes, quoi. Tu flippes, mais ça marche. Ouais, ça marche. Mais ça marche parce que, aussitôt sorti de l'école ou pendant l'école, je sais pas, quoi qu'il en soit, vous. Très rapidement, vous décrochez les contrats, ce genre de contrat. Il y a eu l'enquête corse. Les cas. Alors, oui, effectivement. Ça, c'est impressionnant. Je me suis dit, ça y est, c'est parti. Pas du tout. Hein. Mais les 4 films, là, dans le même mois, tous tournés en Corse. Donc, le silence, le premier. J'enchaîne sur l'enquête corse. Le cadeau d'Elena, Fred Graziani, qui malheureusement nous a quittés, et qui me fait un cadeau. Alors, c'est une petite scène, mais avec Marie-José Zenat. À table, et Stéphane Rideau, et 3 petites filles tournées à Bonifacio avec la belle Adriana Carambeu. Là, vous vous dites, en fait, c'est facile, ce métier. Mais comment? Je me suis dit, 4 films comme ça, 2 ans sans un coup de téléphone. Et oui, justement, et sans un coup de téléphone et... Et beaucoup de déménagements. Ah oui, je vais m'arrêter. Mais toute ma vie, hein. Je crois que je dois être à 42 ou 43 déménagements dans ma vie de lieu. En fonction quoi? En fonction des cachets, de quand ça marche pas. Ah oui. Parce que les galères, suite à ces premiers succès, s'enchaînent. Hein. Il y a des moments de désespoir. Ah, évidemment. Hein. Moi, tu as envie de mourir. Ouais. Tu dis, qu'est-ce que j'ai fait? Puis je suis nul, personne ne veut de moi, ouais. Et j'y arrive pas, et puis je suis pas bon de toute façon, je m'en rends compte. J'ai pas cette verve, j'ai dû me tromper. Mais tu restes accroché quand même, parce que j'avais envie. Oui, sauf qu'à un moment, il y a carrément, vous vous dites, maintenant, basta, j'arrête. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien.
Vous avez vraiment envie d'arrêter de déménager? C'est la dernière limite, j'en peux plus. Et j'ai plus d'appartement. Je déménage mes affaires le soir, écoute bien ça. Hein. Je prends un camion, je déménage mes affaires chez une nana qui me prêtait son garage. Et je remonte avec le camion de location et je réalise que je ne sais pas où je vais. C'est-à-dire que j'ai prévu de mettre mes affaires, mais je ne sais pas où dormir. Au même moment, je reçois un coup de téléphone d'amis de Paris, Alexandre de Cèze et Chani Sabati, qui sont, des, ils sont ensemble, et c'est des comédiens et comédiennes. Elles m'appellent, elles me disent, on sait que tu déménages, je suis allé passer 3 jours chez eux. Et regarde la bascule dans la vie quand même, c'est intéressant. J'arrive là-bas, je devais partir le lendemain en Corse. Puis finalement, chez eux, je m'apaise un peu, et je demande si je peux rester 2-3 jours, bien sûr. Donc je reste 2-3 jours et arrive cette discussion. Qu'est-ce que pendant que vous discutez, en fait, vous lui racontez un peu votre vie, hein, de la même façon que vous me le racontez là, vous le racontez aussi dans cet appartement. Et elle prenait des notes, et au bout d'un mois, le spectacle était fait. Voilà. Et au bout d'un moment, donc ça donne. Merci. Mais écoutez, content que vous soyez là, vraiment, puis alors moi aussi, je suis très, très content d'être là. Je te fais pas d'idée, Didier. Ben, je ne me fais pas d'idée, je suis hyper content d'être là. Ça va pas marcher. Tu es bidon, tu le sais, tu es bidon. Non, je suis pas bidon. Mes amis m'ont dit que j'avais des capacités. Tes amis mentent. Tu veux les croire. Tu penses qu'ils veulent ton bien, mais c'est faux. Réfléchis, tu n'es pas capable. Tu as toujours tout raté dans ta vie. Ben non, pas tout, hein. Souvent. Tu es une merde, Didier. C'est génial, ça. Très sincèrement, sur tout le spectacle, je raconte ma vie, mais c'est la seule chose enfin, que je trouve intéressante, la main, parce qu'en fait, après, je l'explique ce que c'est cette fameuse voix du doute que l'on a tous, qui nous dit trop, pas assez, tu es grand, tu n'es pas assez fort, tu es payé le merde. Et oui, ben. Tu sais, il y a des fois, on se le dit, selon la période de vie qu'on passe. Enfin, on se le dit, je ne sais pas les autres. Moi, en tout cas, il m'est arrivé de me dire, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vaux rien, tu n'y arrives pas. Les 12 métiers, les 13 misères. Les 13 métiers, les 12 misères. Enfin, tu vois, le truc. Sauf que, avec ce spectacle, vous venez le jouer en Corse. Ouais. Jeff Perron. Et dans la salle, notamment, il y a elle. Ma maman. Ah, il y a tous vos amis, et il y a tous vos amis corses qui sont là. Non, mais truc de fou, j'ai jamais eu peur de ma vie. Et vous apercevez que ben, vous êtes toi une merde, en fait, finalement. Ça a marché. Et puis, Jeff m'a dit, OK, maintenant, je te programme tout l'été dans son théâtre à Porto-Vec. Et c'est comme ça que ça a commencé. Au départ, c'était pas prévu, c'était one shot. Hein. Et grâce à Jean-François Perron, bon, c'est mon ami. Vous devenez un artiste professionnel, vous gagnez vraiment votre vie. Écoute, si je le dis moi, ça fait un peu grandiloquent, mais oui, à ce moment-là, j'ai estimé que je pouvais avoir la caution. Oui, maintenant, tu es comédien parce que tu es sur scène et il faut y aller, quoi. Hein. T'es comédien, mais t'es pas au top du top du top comme vous imaginiez que vous le seriez quand vous êtes arrivé à Paris. Quand vous êtes arrivé à Paris, c'était avec une ambition démesurée. D'ailleurs, il y a votre prof qui vous a dit, si tu fais d'acteur, c'est pour être absolument au top. Il m'a dit, c'est pas la peine d'avoir une demi-ambition. Ouais. Il faut que tu veuilles l'Oscar et te contenter de ce que tu auras. Et cet Oscar, vous auriez peut-être pu l'avoir. En tout cas, venez sur cet écran qui est peut-être un petit peu... Peut-être l'écran des actes manqués, mais vous allez m'expliquer. Là, justement. Bon, les Anonymes. Les Anonymes, très bon film. Ouais. Vous jouez Ferrandi. Très bon jeu d'acteur. Merci. Rien à dire. Mais il y a un truc qui se passe pas. Non, ça passe à la télé. Ça passe sur Canal+. Ça passe pas au cinéma. Ça passe pas au cinéma. Et Canal+, quoi qu'on en dise, c'est confidentiel. C'est crypté, tu es abonné. Et c'est la télé. Ouais. Ça reste un téléfilm. Il y a un côté un peu péjoratif là-dedans. Alors que c'est un film de cinéma. Ça s'écoute surtout. D'accord. Exactement. Mais j'en garde un souvenir ému parce que, à aujourd'hui, c'est le truc le plus gros que j'ai fait. Sinon, j'ai des petits rôles sympas comme ça. Mais ça, c'était vraiment un vrai travail. Ça aurait pu être un super déclic parce que la critique était bonne, même à votre égard. Les plus grands magazines avaient dit. Que je méritais un César. Ouais. Oui, j'avais lu des trucs impressionnants. Pas de chance. Non, pas de chance, oui. Enfin, il y a là aussi. Ah, alors, oh, putain. Là aussi. J'avais 14 kilos. France 2, Duel au soleil, ouais. Super série. Ouais, troisième rôle de la série. Mais ça s'est arrêté au bout de deux saisons. Quoi qu'il en soit, il y a celle-là aussi. Je tiens à ma troisième scène de ménage. Vous passez le casting pour être lui, là. Ah, voilà. Tout se passe bien. Mais j'ai l'accent corse. Finesse. L'accent corse, la télé, ça passe pas.
Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que pour un format pareil, ça pourrait être une valeur ajoutée quand même, un accent, le sud. Au contraire. Même. Mais je pense que les télés ne veulent pas parce qu'ils pensent, ils pensent. C'est français ça, hein, ouais. Il paraît qu'en Angleterre, c'est pas pareil. Non. C'est chez nous, il ne faut pas d'accent. C'est, non, parce qu'ils pensent que les gens ne peuvent pas s'identifier au personnage qui aurait un accent, ce qui est faux parce que, enfin, Rému quand même, il avait un peu d'accent. Il était quand même à Donc vous ne devenez pas une star, mais finalement, non mais... Ça vous va bien, ça, finalement, peut-être, de ne pas devenir une star. Écoute, je pense que j'ai été protégé. Je dois t'avouer qu'à l'époque, quand j'attaque, j'ai 36 ans, je sortais de ces 20 années de bringue et de fête. Franchement, ça ne m'aurait pas rendu service si, effectivement, pour X raisons, j'avais été au pinacle et que je sois une vedette ou que ça marche fort. Peut-être que ça aurait été catastrophique. C'est pour ça que je suis très tranquille avec tout ce qui se passe. Et puis surtout, vous recherchez autre chose que ça désormais. Ah, votre recherche, elle est plus intérieure. Oui. Hein, oui, c'est dans la célébrité. Et on va se rapprocher tout un petit peu là. Didier, oui. Pardon. Tout ce qu'on va évoquer maintenant, ça a démarré avec la pré-dépression. Ah, tu sais ce qu'on va évoquer. Non, on va évoquer tu viens ça. De dire. La recherche intérieure. Ouais. Donc je suppose. Je ne sais pas en fait. Et si vous pouviez vous déconnecter et ne plus mettre aucune attention ni aucune énergie dans tout ce qui est matière? Vous vous rendriez compte que vous êtes une conscience dans un endroit qu'on appelle rien. C'est le quantique. Il n'y a rien de physique. Il n'y a rien à expérimenter avec vos sens ici. Et dans ce royaume, si nous pouvons créer à partir du champ et non pas à partir de la matière, vous n'avez besoin que de deux choses. La première, c'est une intention claire. Vous devez savoir ce que vous voulez. Et la deuxième, c'est une émotion élevée. Savoir ce que vous voulez, émotion élevée. Ouais. Le docteur Joe Dispenza, il vous parle, lui. Hein. Je vais t'expliquer l'anecdote vite fait. Ma cousine qui vit à Nice m'appelle, me dit, tu as vu la soirée des Césars, telle actrice a été nominée dans tel film. Non, je n'ai pas vu. Puis je raccroche. Et là, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, attends, je regarde autour de moi, je n'ai pas un magazine de cinéma. En revanche, j'ai plein de bouquins de Dispenza, Bruce Lipton, qui est un biologiste, fameux biologiste américain, qui travaille là-dessus sur l'épigénétique et la physique quantique. Et donc, tout ça m'intéresse. Alors, encore une fois, en tout cas. C'est pour passer pour trouver une espèce de paix intérieure. Oui. C'est quoi? Oui. La paix. Être en paix et peut-être aider les autres à l'être aussi avec quelques outils. J'ambitionne cela, on verra. Voilà. En attendant, vous continuez quand même de faire votre métier. Ah, oui. Et le métier, on le voit notamment sur France 3 Corse, avec ça. Ma vengeance, je ne l'ai pas eu au niveau national. J'ai réussi quand même à le faire au niveau local. Coco Orsol. Elle me prend main. Voilà. Je me suis inscrite au concours de belote à que mon père. Ah d'accord, alors moi je jouerai avec Saveria. Non, toi tu joues à que moi. Mais tu joues avec ton père. À la belote, je joue à que mon père. On rigole beaucoup. Oui. On rigole. Moi j'adore, franchement j'adore faire ça. D'abord j'ai beaucoup de liberté de travail, donc ça c'est vraiment agréable. Il y a Nicolas Pancrate qui réalise sur le plateau, qui est top. Il a cette sensibilité, et puis il nous laisse faire, enfin il laisse proposer, après on valide ou pas, mais en tout cas il y a cette possibilité. Et puis moi je me régale jouer avec Coco parce qu'elle est super forte, et puis je sais pas, tu as peut-être regardé 2-3 épisodes, elle me prend en main. Oui, je n'avais pas lu la Bible, je ne savais même pas, je m'appelais Claude Benamou. Un jour j'ai dit, monsieur Benamou, qui Benamou? Claude Benamou. Est-ce que vous faites ça sans pression désormais? Ou pas, ou le métier d'acteur, parce que vous tournez encore sur des longs métrages, avec Pido notamment, il y a toujours cette pression où il y a... Là non. Là non. Là non, parce que j'ai cette liberté. Après, quand tu travailles avec un metteur en scène qui a son idée, à lui, qui il faut rentrer dans son idée. Et parce que là, j'ai toujours la pression. Quand je travaille avec Pido, encore plus. Parce que je pense qu'inconsciemment, tu as à cœur d'encore mieux faire pour répondre vraiment à la demande de celui qui te fait confiance. Parce que voilà, il t'appelle sur le film. Toujours mieux, toujours s'améliorer. C'est votre credo, ça, hein. C'est vous donc. Hein, je pense que c'est ça la vie. Venez, on fait un selfie. Les selfies. Allez, le fameux selfie pour finir. Selfie. Merci infiniment, Didier. Moi, c'est une belle rencontre, franchement, sacrée expérience. Avec plaisir. Continuez de progresser, Didier. Eh bien, on verra la suite. Hein. Ciao. À bientôt, au revoir.